Bonjour, la Grange Théâtre à Toury, ce sont des spectacles, marionnettes, théâtre, chant, 4 ans d'aventure déjà. Ce sont aussi des stages et des ateliers de peinture proposés et animés par Flore Angel à l'origine du lieu, sa spécialité, la fresque. J'ai créé une petite école de la fresque ici, dans ce lieu, qui rassemble plutôt des adultes. Sur 4 modules de 3 jours dans l'année, et puis aussi des stages d'initiation. En fait, avant, Flore organisait un atelier par an, sur une semaine, je crois. Et du coup, elle a décidé de faire une petite école de la fresque. Donc on est plusieurs à avoir fait l'atelier depuis plusieurs années et à s'être lancée dans l'aventure de l'école de la fresque. Ouais, c'est un peu plus compliqué, c'est apprendre à peindre sur un enduit. Un enduit de chaux et de sable. C'est la technique de Michel-Ange, de Frangelico, des maîtres italiens, que j'ai beaucoup pratiqué dans le sud de la France. Et depuis que je suis ici, j'ai moins fait de contrats, mais disons, j'ai continué à former des gens à cette technique qui est magnifique. C'est déjà une technique ancienne, antique, pour le coup, donc, et qui est extrêmement pérenne. Donc une fois qu'on a fait une fresque, elle se consolide en fait au fil des siècles et elle peut durer en l'état pendant des siècles. Donc ça m'intéresse énormément. Bon, c'est totalement l'inverse des arts qui sont en vogue aujourd'hui, qui sont plutôt éphémères, mais voilà, C'est ça qui m'intéresse le plus. Et la matière aussi, parce qu'on fait de l'enduit, on est presque des maçons. Et après, on peut s'exprimer avec la peinture, mais dans la matière, parce qu'on applique des pigments à fresco dans l'enduit à la chaux. Moi, j'avais envie d'en faire depuis très longtemps, depuis que j'ai passé mon bac art appliqué. Sauf qu'on trouve très peu de personnes qui déjà le pratiquent en France et encore moins qui l'enseignent. Donc, j'ai découvert ça il y a 4 ans. Enfin, j'ai découvert Flore il y a 4 ans et voilà. Peut-être un peu plus, je sais plus, mais du coup, quand elle a décidé de mettre ça en place, j'étais très contente parce que c'est vraiment pas loin de chez moi, donc c'est super. Donc, un stage d'initiation à la fresque début juillet pour adultes, une semaine. Et puis je vais lancer aussi des stages modelage et four primitif, donc céramique, parce que j'ai aussi travaillé ces choses-là en Afrique. Et j'aimerais relancer ça, donc je vais lancer un groupe de travail, je pense, enfin, des personnes intéressées, et faire avec eux le programme, parce qu'il faut fabriquer les pièces, qu'elles aient le temps de sécher, et après faire le four. Et cuire les poteries dedans, donc il faut que ça soit en 2 temps, donc il faut trouver un petit peu un programme. Plus de renseignements concernant ces stages d'initiation à l'art de la fresque sur le site internet www.lagrangetheatre.fr.